Allez, c'est toi. C'est pas très crédible là. Ouais. Allez, même une seule fois, après c'est fini. Sinon, on va traîner 2 heures pour rien. Allez, attention, quand je baisse le bras, c'est que l'annonce se fait. Prêt? Yes! Ah, je suis contente. C'est dingue. Ouais. Mon Dieu. Ouais, je chantais un peu mal là. Ouais, t'étais vu au moins chanter. Bah, hein, ça, c'était pas trop ça. Hein. Ouais. Bon, bon mais ça manque encore dans tout. C'est bien, les réflexions derrière sont très bien. Ouais. Mais je voudrais un bon. Tout ensemble, on a si gagné. Bah, oui, on dirait qu'on vient de te faire une piqûre. On se croit là, on a un terme. Allez. Action. Soyez sans crainte, je suis une amie. Lumière. On refait. Si c'est éteint. Action. Soyez sans crainte, je suis une amie. J'ai une drôle d'histoire à vous raconter. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Oui, mais... je sais, cela paraît bien mystérieux. Pouvez-vous m'accompagner? C'est dommage, m'accorder. C'était bien. Ouais, c'est tout. C'est dommage. Non, il ne faut pas faire ces bruits-là. Oui. Action. Soyez sans crainte, je suis une amie. Pouvez-vous m'accorder? Voilà. J'ai une drôle d'histoire. Voilà. Allez, parce que après j'ai plus de piles, on est foutu. Voilà. Donc il faut le... Hop, 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 quand je dis action. Action. Soyez sans crainte, pouvez-vous m'accorder? Non, je suis une amie. Ah là là, c'est... Soyez sans crainte, je suis une amie. J'ai une drôle d'histoire à vous raconter. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Oui, mais... je sais, cela paraît bien mystérieux. M'accordez-vous... Tiens, coupez, parce qu'on ne va pas aller... Ça tourne, allez. Ça tourne déjà? Oui, voilà. Ça fait rien, ça. Tu regardes, elle. Hein. S'agit-il d'un virus pas encore identifié? Ou d'un quelconque... S'agit-il d'un virus pas encore identifié? Ou d'une quelconque malédiction? En tout cas, les médecins n'ont encore rien recelé qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Décelé qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Tu fais juste en tout cas. En tout cas, les médecins n'ont encore rien décelé. En tout cas, les médecins n'ont encore rien décelé qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Non, il ne faut pas regarder en l'air. Hein. Mm-hmm. C'est vrai, tu peux regarder. Regarde. Oui. C'est en bas, faut... Comment? Je répète tout là? Oui. Non, non, en tout cas. En tout cas, les médecins n'ont encore rien décelé qui ressemble à la maladie de... qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Non, non, en tout cas. C'est pas qui ressemble, si? Non, mais Alzheimer, il faut prononcer. Ah, Alzheimer. Vas-y, quand tu veux. Comment ça? Et d'abord, moi, je veux pas être top modèle. Moi, je veux être vétérinaire. Alors, bon? Là, t'es trop souriant. Ah non, non, c'est pas je n'ai jamais prévenu. Pour l'instant, tu le liras tout à l'heure d'un coup. Vas-y. Comment ça? Et d'abord, j'ai jamais prévu d'être vétérinaire. Moi, je veux être vétérinaire. C'est bien, c'était bien le début, je t'assure, franchement. Oui. Ah bon, à demain. Bref, t'avais ta tête qui n'était pas encore en place. Ah bon, à demain alors. À demain alors. Ah non, à bientôt. À bientôt, mon ami. T'as pas mis? Si. Ah bon? À bientôt alors. Ouais, plus enthousiaste. Ah bon? À demain alors. À bientôt alors. Ah bon? À bientôt alors. En tout cas, les médecins ne décèlent rien qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, qui faisait des ravages à l'époque où nous sommes. Enfin. Celle où vous vivez. Et qui a été. Finalement éradiqué. Action! Non, tu m'as regardé. Allez, pardon. Non, tu peux regarder en l'air. Si tu veux regarder vers nous, tu regardes en l'air. Et tu rigoles. Coupé. Tout d'abord, pardonne. Voilà, ça commence. Pardonne-moi, je n'aime pas. Bien, figurez-vous que je viens de faire un curieux voyage.
Non, on reprend. Long ou curieux, vous choisir. Un curieux. Alors, on reprend. Bien, figurez-vous que je viens de faire un curieux voyage, pas en avion, ni en bateau. Je vous expliquerai cela plus tard. Comment plus tard? Bien, figurez-vous que je vais faire un curieux voyage, pas en avion, ni en bateau. Je vous expliquerai comment plus tard. Comment plus tard. Reprends. Non, laisse tourner. Bien, figurez-vous, je viens de faire un long voyage, un curieux voyage. On reprend. Bien, figurez-vous, je viens de faire un curieux... Non, bien, figurez-vous que je viens de faire... Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as mis le que avant. Ah. Bien, figurez-vous que je viens de faire un curieux voyage. Ni par avion. Non, on reprend, faut pas me regarder. Tu m'entends si ça va pas. Ouais. Hein, allez, on reprend. Bien, figurez-vous que je viens de faire un curieux voyage. Ni par avion. Alors, on fait évacuer, hein. Je ne sais pas savoir, mais reprends. Ça, c'est leur faute. Hein. Ah, il m'énerve, là. Emmerich, je vais te foutre dans le... Cool. Ce serait mieux si on enregistrait. Ça va. Là, ça enregistre. Voilà. Je peux le mettre droit. Merci. C'est bon, là. Oui. Encore une chose que tu peux leur dire pour les convaincre. Nos responsables ont pensé que si nous retrouvions des gens qui se connaissent... Bon, je l'ai montré, ils connaissaient, j'étais sûre qu'ils connaissaient. Tu as souligné, connaissaient ou... Oui, j'ai souligné. Bon, en fait. Encore une chose que tu peux leur dire pour les convaincre. Nos responsables ont pensé que si nous retrouvions des gens qui se connaissaient, tout comme vous, cela faciliterait peut-être. On l'a entendu, on l'a entendu. C'est quoi Oh, le plus possible. Mais ça tourne? Ben oui, mais c'est pas prêt. Allez-y. Comment vous savez que c'est le repas? Ah bon? Nous mangeons à cette heure-là. On refait. Comment vous savez que c'est le repas? Nous mangeons à cette heure-là. Ah bon? À bientôt alors. Je t'explique. Je repartis comment? Ça tourne là? Oui. Comment vous savez que c'est le repas? Nous mangeons à cette heure-là. Ah bon? À bientôt alors. Je ferai de mon mieux. Mais vous repartez comment? Je t'expliquerai plus tard. Non, pourquoi regarder la caméra? Parce que c'est fini, mais c'est pas fini. Il y a encore plein de choses après. Ouais. Pas débarrasser de moi. Attention, silence! Tu tiens ton cheval. Moi, je voulais être maçon, mais je serais garagiste. Je veux pas tout un montant. Non, il s'est mélangé là. Voulez-vous m'accompagner à la... Ah non, j'ai pas dit action. Ah. Action. Voulez-vous m'accompagner à l'extérieur? Non, à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Voulez-vous m'accompagner à l'intérieur? Mais attends, faut pas partir aussi vite, elle t'a pas répondu encore. Ah ouais. Et vous montez l'escalier. Et qu'est-ce qu'elle doit répondre alors? Rien, elle hésite un peu, puis... Voilà. Il faudrait que tu te mettes un petit peu. Juste un petit peu en avance. Encore un peu. Non, décidément. Voilà. Alors tu hésites un peu et puis vous y allez. C'est bon. C'est bon? Oui. Voulez-vous m'accompagner à l'intérieur? Attends, la main! On refait. Voulez-vous m'accompagner à l'intérieur? On refait, faut pas hésiter. Ah, c'est pas dur. On a bloqué là. Allez. Faut que je tire. Approche-toi encore un petit peu.
viens vers moi en t'approchant. Non. Toi, tu restes là. Et toi, tu viens un petit peu vers nous. Encore un peu. Comme ça. Excuse-moi de te... Non, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est bon. Voulez-vous m'accompagner à l'intérieur ? Non ! Putain. Faut pas vous regarder. C'est démangeable, hein. Bon, on va prendre son sérieux. Encore une chose que tu peux leur dire pour les convaincre. Nos responsables ont pensé que si nous retrouvions des gens qui se connaissaient, tout comme vous, cela faciliterait peut-être les chocs de mémoire et en remerciement, peut-être pourrions-nous vous inviter quelques instants dans notre époque. Dans votre futur. Ah, dans votre futur. J'ai une question. Est-ce que vous avez envie de parler du travail qu'on a fait ensemble, du film ? Est-ce que vous avez des critiques ? Est-ce que vous avez des choses que vous avez aimées, d'autres que vous n'avez pas aimées ? C'est libre. Hein. Vous pouvez dire ce que vous pensez. On commence par qui ? De qui ? De quoi ? Allez. Nous, on n'a pas aimé Henrik, il n'arrêtait pas de faire des grimaces. Ouais, c'est ça. Et il continue, je parie là. Ouais, il continue. Ouais, dans mon dos. Arrête de mentir. Arrête de mentir. C'est mignon. Bon. Nadège, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, moi j'ai bien aimé, mais sauf Henrik là d'ailleurs qui arrêtait pas de nous faire rire. Ouais, là, avec tout le monde dit grimaces. Ça. Tout le monde dit ça. Ouais, ça n'empêche, c'était bien le film. Et à part Henrik. Et Estelle qui n'arrivait pas à faire devant la caméra et tout ça, elle était paniquée. Ah, nous, on s'est trop marré avec Henrik. Ouais, on a répété 50 fois la même chose. Ouais. On connaissait par cœur. Ouais. Maintenant. Ouais. Et Laura ? Moi ? Ouais. Ce que j'ai aimé dans le film ? Oui. La solidarité des gens. Je trouve ça. C'est assez. Ça fait une bonne expérience, quoi. On a fait un vrai travail d'équipe. Hein. Ouais. Pour la plupart, je pense qu'on n'a jamais tourné un film. Donc, je trouve ça important, quoi, d'avoir fait ça. Puis ça prouve que même sur les. Enfin, que différents âges. Voilà, du plus petit, on est déjà sur des choses différentes, et ben, on peut vraiment arriver à faire quelque chose. Et vous avez appris un peu des choses sur la façon de filmer, de la technique, et puis un peu la mise en scène, je ne sais pas si on peut dire ça. Bah, on voit les différents, on voit le décor, quoi, derrière, comment ça. Ça peut nous aider pour après. Et Estelle, qui ne voulait pas être filmée, qu'est-ce qu'elle en pense maintenant ? J'adore toujours autant être filmée, hein. Si tu pouvais arrêter, ça se voit. Allez. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du travail ? J'ai lâché un souvenir avec tes belles dents. Non, je rigole. Moi, j'ai bien aimé faire la caméra. Puis un peu aider les autres. Voilà. Ouais. Mais la scène avec Alexandre, c'était pas mal aussi. Tu t'es bien débrouillé là. Ouais. Et Jordan ? C'était bien ? Ouais. Ouais. Nagui ? Moi j'ai bien aimé la musique. Quelle musique ? Tout de suite là, la chanson ? Ouais, c'est bien. Est-ce que vous trouvez que la chanson, elle est en rapport avec le sujet ? Parce qu'ils sont très. Parce que ça parle ça a parlé des jeunes. Ils sont un peu pessimistes, alors vous êtes plein d'espoir avec l'avenir, avec le sujet du film. Ouais, mais ils jouent leur rôle. Enfin, comme ils disent dans la chanson, de grands frères et tout. Donc, ouais. Pour nous soutenir. Bon. Sylviane, t'as quelque chose à dire ? Oui, Sylviane. J'ai bien aimé l'ambiance du groupe. Oui. Et t'as décidé d'être créatrice de mode, toujours pas ? Fais ton truc là. Non, pour une fois qu'elle est pas grosse. Fais. T'es toujours pour la danse ? Imagine la fête. Ouais, mais surtout, faut dire merci à Daniel. Hein. Moi, j'aimais bien. Quand il est descendu des escaliers. Ça faisait un peu policier espionnage, hein ? Il est là. Non, pas le problème de bêtiser, mais en tout cas, je suis fier d'eux, de tout ce qu'ils ont donné, de tout ce qu'ils ont fait. Et moi, je vous dis un gros bravo à vous tous. Bah, on est contents. Merci. Merci. Ouais. Merci Daniel. Merci Daniel. Merci Daniel. À toi aussi, à toi.
tout à l'heure, mais comme a dit Henrik, on remercie beaucoup les jeunes pour la patience qu'ils ont, pour leur persévérance. Et pour le courage à tous les jours, enfin tous les mercredis, en tout cas, revenir sans rechigner. Il y a eu quelques petits rechignements, mais vraiment très peu. On est bien contents, toute l'équipe, on est bien contents que ça soit passé comme ça. Ça a été un super voyage, une super aventure. J'espère que... On pense à Amandine. On pense à Amandine, c'est aussi impliqué. Et merci beaucoup à tous les jeunes, c'est vrai que c'est super émouvant ce qui s'est passé. C'est l'aveugle. Et je crois qu'on se rend pas compte, même nous, et les jeunes encore moins, de l'impact que ça va avoir dans la vie, et même pour le foyer. Merci beaucoup. J'espère que le film sera du niveau de vos enthousiasmes.